Le voici de retour, mesdames, messieurs. Cette fois-ci, on est chez les 75 kilos. Et dans le coin rouge, casque rouge, gants rouges, Richard Retty, qui nous vient de l'Ontario. De l'autre côté du Québec, c'est Stevenson Adonis. 20 victoires, 3 défaites, 27 ans. Il est entraîné par... s'entraîne chez Russ Amber, hein? Probablement le plus dur cogneur de ces championnats, Jean-Paul. Voilà. Dur cogneur, Adonis, il avait gagné tous ses combats avant la limite. Dans les championnats provinciaux. Belle fiche, 23. Il s'est battu contre Jean Pascal il y a 2 ans. Et? Jean Pascal avait conservé son titre. Adonis n'avait pas l'expérience de Pascal. Par contre, Pascal, beaucoup plus jeune, avait démontré beaucoup de caractère pour affronter... Gauche et... une gauche, pas trois gauches, une gauche. Il n'est pas tombé par en arrière. Il est tombé. Donc, les genoux ont coupé d'un coup sec. Yo, ça n'a pas été long. Alors, comme vous voyez, bonne force de frappe, hein? Ce jeune homme, Stevenson Adonis, casque bleu, gants bleus. Et là, vous ne pouvez pas blâmer Retty d'être au moins prudent, ouais. Encore une fois. Et voilà, on a vu Retty entrer la tête basse et il a reçu le coup. Kilos, ça commence à être assez gros, merci. 165 livres, ça, monsieur. Alors, ça, c'est l'Ontario contre le Québec. Il y a plusieurs façons d'arrêter un adversaire. On peut lui faire subir 3 comptes de 8, mm-hmm. ou le troisième, bien sûr, n'est pas donné. On peut l'envoyer au plancher. Ou bien, quand on domine complètement un adversaire, si, chez les hommes... on mène par 20 points, par 20 coups. OK. Le jury arrête le combat. Chez les femmes, c'est 15 coups. OK. Par 15 coups, et on arrête le combat. Voilà. Bon, ben là-dessus, messieurs. Alors, voilà un compte contre Richard Retty. Ça en fait 2, là. 4, 5, 6, 7, 8. On est tout près de la fin, on fait la pause. Round numéro 2, nous voici de retour et je dois vous dire que dans le cas de Richard Retty, ça n'a pas été trop bien dans ce premier engagement. À la toute fin, normalement, l'arbitre demande au boxeur d'avoir une position de combat avant de reprendre. Et Retty, lui, avait les deux bras de chaque côté de lui. L'arbitre n'a pas demandé. En principe, on aurait dû demander, lève les bras et si tu hésites, si tu ne lèves pas tes bras, fait arrêter le combat. Et dans ce tournoi, Adonis, c'est son troisième combat en autant de jours. À son premier combat, il a battu le représentant de l'Alberta par arrêt de l'arbitre au troisième round. C'était par surclassé. Donc, il n'est pas juste un cogneur. Il réussit à lancer beaucoup de coups de poing parce qu'il dominait son adversaire par 20 coups quand l'arbitre a arrêté le combat. À son deuxième combat, il a battu Joey Smart de Terre-Neuve par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Pendant ce temps-là, Retty, lui, de l'Ontario, arrêtait Bower de la Nouvelle-Écosse dès le premier round. Voilà. Donc, les deux n'ont pas vu un quatrième round dans ce tournoi. Absolument. Et comme les choses se sont déroulées au premier round, on peut anticiper que ça va être la même chose. Ça ne se rendra pas en quatrième ici non plus. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il ne faut absolument pas que Retty présente son menton à Adonis parce que... on a vu sa force de frappe. Voilà ici une riposte qui vient de la part de Retty. Corps à corps, l'arbitre sépare les deux hommes. Et là, je dis break. Oups, l'uppercut qui a raté. J'ai l'impression que dans le moment, on s'aperçoit que Retty ne veut pas trop rentrer à l'intérieur. Hein? Et voilà. Aussitôt qu'il s'approche. Bon, ben messieurs, on va vous donner un repos. Aussitôt que vous entendrez la cloche, on va s'arrêter pour une réclame publicitaire. Voilà une sortie. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et voyons exactement. Richard Retty de l'Ontario, Stevenson Adonis du Québec.
J'ai parlé tout à l'heure de trois comptes dans un même round et l'arbitre est obligé de mettre fin au combat. Ouais. Mais dans un combat, c'est quatre comptes pour qu'on arrête le combat. Et là, ça vient de finir. Il y en a eu deux au premier round, il n'y en a pas eu au deuxième. Il n'y en a pas eu, là. Et on est au troisième engagement, n'oubliez pas, dans le coin rouge. Celui qui porte le casque rouge, c'est Richard Retty de l'Ontario. Pour une fois, il y a eu une droite qui a été donnée, bien appliquée, mais c'était à la volée. Donc, à ce moment-là, ça n'a peut-être pas atteint la cible tellement solidement. Mais la tête de Denis, j'aime mieux le donner que de le recevoir, d'une façon ou d'une autre. Et pour les avertissements, tout à l'heure, on disait que c'est deux points par avertissement, mais un troisième avertissement pour une faute, c'est on arrête le capote, fini. Disqualification. Denis qui semble présenter une assez bonne force de frappe, en tout cas bien jusqu'à maintenant. On a assisté jusqu'à présent de très, très bons combats. Je comprends. Peut-être celui de Cave qui a été échevelé, mais les peut-être, autres, là, mais celui-là aussi, c'est un bon combat. Ben, quand tu arrives dans les 75 kilos et les gars veulent se battre, hein? Ouais, tantôt c'était dans le poids de Kamal, 132 livres. Exact. Le poids de Bizier, 140. C'est bon, ça. À l'avantage de Retty, on doit dire qu'il tente au moins d'entrer. Oui. Tout à fait, il est solide. Hop, et voilà, on reprend le temps. Il est interdit en boxe olympique de boxer, de perdre de vue, de se placer. Wow! De perdre de vue son adversaire. Donc, si l'arbitre voit que les yeux sont dans une position. Voilà. C'est terminé. Non, pas d'obstination avec l'arbitre, bonhomme, va-t'en. Il y avait eu deux comptes déjà. Ouais. Et de la façon dont il a tombé, tu sais. On appelle ça la pause du chevreuil. Et voilà, regardez bien. Doc. Un bel uppercut, là. Ici en même temps, tu sais. C'est un bon uppercut, bien appliqué. Donc, et ça, c'est fort. On va en maintenant pour féliciter les gens de Saint-Quentin. Une organisation très professionnelle. Il y a eu beaucoup de monde pendant tout le week-end. Les gens de Saint-Hyacinthe ont supporté leur organisation. Donc, c'est un succès sur toute la ligne. Bravo, tant mieux. Bravo, Saint-Hyacinthe. Alors, voilà. C'est Richard Retty qui a bien tenté, mais la force de frappe de Adonis a eu le meilleur sur son livre. Donc Adonis devient champion canadien pour la première fois. Voilà. Utilisé de la part de Russ Amber, 27 ans seulement, 20 victoires, 3 défaites, un petit jour, j'ai l'impression. S'il fait attention à lui, on entendra parler de ce nom. Arrêt de l'arbitre au troisième rang pour gros de coups reçus à la tête. And the winner is by RSCH in the third round. Dans le coin bleu in the blue corner, Adonis Stevenson. Et voilà, c'est terminé. On revient avec les femmes après la pause.